Le père de Nicki Minaj, Robert Marage, est décédé après avoir été frappé dans un accident avec délit de fuite. La police du comté de Nassau à New York a déclaré qu'il marchait sur la route entre Roslyn Roa et Raff Avenue vendredi soir vers 18 h, lorsqu'il a été heurté par un véhicule se dirigeant vers le nord. Les flics disent que le chauffeur a ensuite fui les lieux sans une description significative de la part des témoins. Robert a été emmené dans un hôpital de la région dans un état critique, où il a succombé à ses blessures et est décédé au cours du week-end. La brigade des homicides enquête sur l'affaire et demande l'aide du public pour identifier la partie responsable. Il n'y avait pas de description décente du véhicule suspect fourni. Nicki n'a pas encore parlé de la mort de son père. Il y a des photos d'eux s'embrassant ensemble au fil des ans, alors ils ont évidemment une relation décente et se sont vus de temps en temps. On ne sait pas quelle était la relation de Nicki avec son père actuellement. Un représentant de Nicki a confirmé la mort de son père, mais n'a pas eu d'autres commentaires pour le moment. Robert n'avait que 64 ans.